Nutrition Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. On peut sauver Johnny. S'il vous plaît, ouvrons nos cœurs et sauvons Johnny. Chaya, nous avons notre pondou que nous allons préparer aujourd'hui. Nous vous préparons le pondou, un bon pondou. Et il y aurait souvent de beaucoup, mais c'est vraiment bon légume. Chaya que nous allons préparer aujourd'hui, suivez comment nous allons procéder pour préparer notre chaya. Et tozo lamba pondu ya chaya lelo ezakape kitoko lokola ka pondu na biso yebande kolamba pondu kolamba ope elengi makasi. Voilà bolanda betap ndenge nini tokolamba pondu na biso ya chaya lelo. Voilà les ingrédients. Voilà, nous avons chaya. Les feuilles sont là que nous allons piler. Poisson fumé. Nous avons besoin des oignons aussi. Jeunes oignons. Nous avons besoin aussi de l'ail. Un peu de sel. Nous avons aussi besoin de l'huile de palme. Nous avons aussi besoin de feuilles de laurier. Nous avons aussi besoin des arachides qui sont cuits et moulis. Voilà, ce sont des arachides cuits qu'on a écrasés. Donc, si vous êtes en mesure de les écraser, ça dépend de vous. Mais nous avons pour amener ça à la machine. Voilà. Voilà, et nous avons déjà équité nos feuilles que nous allons préparer aujourd'hui, c'est-à-dire les chaya. Nous les avons déjà équitées, lavées, et maintenant nous cherchons à les piler. Et j'avais juste gardé ça pour montrer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas plus sur la feuille en question, c'est ça chaya, que nous allons préparer aujourd'hui. Bon, c'est toujours comme les pondou. Nous ici, nous mangeons ça comme pondou. Voilà, et nous équettons, c'est ça leur tige. Nous équettons au nom chaya. Ça, c'est l'échantillon que j'avais laissé pour vous montrer comment est cette feuille. Et bana kine, bana bapoto, bino moko bozo mona, bana frika, et chaya yeyo, chaya zane loko la kaka pondu, et na momesano ba kinoa penza to benga kango pondu ya chinois. Pondu ya ba chinois, na ebite po na nini, me ebenga maraka a bongo. Voilà, et ceux qui boko bipe ba recherche boko mona chaya, ezala ngo na internet
Kasa o etondi na makambo ebele kitoko pona nzoto abatu. E voilà to sito tie mai. Mai ezo toka nango na moto. Toko zwango kaka bongo to temba la moko. Ezate ke to kalingango. Voilà, et ça c'était le modèle pour vous montrer comment est notre feuille. Et chaya, c'est ça. C'est ça, si vous regardez bien, donc dans nos émissions, vous verrez aussi comment on a montré et chaya, c'est ça. Voilà, et nous passons maintenant à l'étape de piler. Moi, j'ai toujours commencé par les ailes. Je commence toujours par les ailes, je mets dans les mortiers, et voilà. Et dis-là, moi j'ai toujours préféré commencer par les ailes. Vous remarquez bien, il y a un peu de morceaux de piment là, et je venais d'épiler piment il n'y a pas longtemps. Et voilà, maintenant, je mets les pour les ailes. J'écrase ça, et quand je vais mettre les pondou, ça n'aura pas du mal, hein. Oh, voilà. Ça va tourner, voilà. Et nous mettons maintenant notre pondou. Et nous mettons les chaya. Nous appelons ça pondou parce que vraiment, c'est comme les pondou. Voilà. Nous avons mis notre légume qui n'est d'autre que le chaya. Nous avions mis le chaya. Nous allons piler ça pour préparer. Aujourd'hui, nous allons préparer le chaya. Et vous allez voir que vraiment nous préparons ça de la même manière que nous préparons les pondou. Nous allons piler et juste quand nous verrons que c'est bon, et là à partir de là nous allons maintenant verser ça dans l'eau bouillante. Voilà, nous avons le temps d'abord de piler. Vous voyez vraiment, c'est comme seulement les pondou. Si vous avez cet arbre, disons cette plante là où vous vivez, n'hésitez plus, c'est une bonne nourriture. Voilà, là nous mettons déjà d'autres ingrédients tels que les oignons, ail. Nous avions déjà mis les jeunes oignons, nous avons mélangé avec les oignons, nous allons piler et vous allez voir progressivement comment nous mettons, nous mélangeons et tous nos ingrédients. Voilà. Ici, comme nous vous l'avons montré, qu'on devait ajouter les poissons fumés. Voilà, nous pilons ensemble. Voilà. C'est un pondou très très bon. Il faut essayer. Et il y a des fois ici à Kin, si vous avez notre pondou local, nous ajoutons encore les chaya, nous mélangeons ensemble pour les préparer. Mais maintenant, et comme nous avons souhaité de les préparer seuls, et pour vous montrer que c'est très bon et on les consomme. Et n'hésitez plus, il faut toujours manger ça. Bana kilibana bamukilimubima chaya yeyo pondu elengi. Pondu elengi, tchana yo mabaku no bepisi ndengo mesana na bomesano. Lambaka ndengo lambaka pondu. Rien à craindre, rien à hésiter. À
Voilà, rien à craindre, comme je le disais là. Et pour nous, belle raté et belle, nous venons de finir à piler notre chaya, qui est notre pondo d'aujourd'hui. Et vous voyez là, même les poissons invisibles, vous mangez, vous sentez un goût là, des poissons, mais il n'y a pas de poissons. Bon, moi, bon, il y a beaucoup de gens qui sont là, 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 qui sont là. Voilà, et dans l'eau bouillante, maintenant, nous allons verser notre pondo. Dans l'eau bouillante, nous mettons notre chaya. Voilà, et nous laissons ça bouillir et nous allons ajouter de l'huile de palme. Comme nous avions déjà mis notre pondou et nous voici maintenant en train de mettre l'huile de palme. Il faut savoir choisir l'huile de palme parce que c'est ce qui nous est conseillé parce que si c'est la mauvaise qualité, ça a de l'impact aussi pour notre cœur. Voilà, et nous couvrons, laisser et chauffer notre casserole. Voilà. Nous ajoutons du sel et ainsi que les arachides. Ce qui reste à ajouter, ça ne sera que les jeunes oignons ainsi que les oignons que nous avions gardé une partie. Nous avions gardé vraiment une partie que nous allons mettre vers la fin. Et c'est comme ça que je prépare mon pondou. Et c'est ce que je disais, préparez ça comme vous préparez toujours votre pondou. Et voilà. Et il ne reste que cela. Donc, ajoutez vers la fin les jeunes oignons ainsi que les oignons écrasés. Voilà, j'ai trouvé que mon pondou est déjà prêt. J'avais gardé un peu d'oignons que je viens d'écraser ainsi que les jeunes oignons. J'ajoute dans mon pondou. Voilà, on tourne. Nous allons accorder quelques minutes juste vraiment le temps que les oignons sortent leur saveur. Voilà, c'est la fin de la cuisson. To comme la souka pondou na biso ya chaya to lambia welengi pimbo solo kitoko. Et voilà, to bakisi ndembi to kataki to bakisi pe matungulu to tutaki. Et voilà, biloko ebeli to tikele kangonga muke ya pamba. Et pour moi pimbo na ye ya matungulu wana ndembi ekota na pondu na biso. Voilà, to komi na suka. Voilà, notre pondou est là. Notre chaya que nous venons de préparer. Et essayez. Et mettez ça aussi dans votre menu. Parce que il a plein de vertus aussi. Et quand vous mangez les choses qui sont bonnes, et ça va construire votre organisme. Voilà, nous venons de préparer chaya. Touti kolamba chaya pondu ango kitoko lokola kaka pondu na biso. Et soki olingi pe okoki kosangisa ango na pondu na biso au même moment, ebimaka kaka bien. Voilà, et
Ezasuka ya elugu na biso mukolo alelo. Nous vous disons merci beaucoup et nous vous aimons beaucoup. Nous émission Moseka de Malewa Moderne, nous vous demandons de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà, c'est par ici que nous vous disons au revoir et à la prochaine. Jaya. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Bombers. 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 At Fashion Balls. Pour commander chez Fashion Balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. In my feet, it's now or never, 'cause the future's open. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui parle l'émission Moseka de Malewa Moderne.